Donc, on va présenter des vidéos qui vont montrer le processus du projet. Et à la fin, nous allons faire une petite séance questions-réponses. Donc, à la fin, nous vous inviterons de nous poser des questions, soit en chat, mais mieux en haute voix avec vos visages. Ça, c'est vraiment apprécié. Donc, sans retarder plus, je vais présenter ma présentation. Donc, notre célèbre Mélanie est en charge de tous les trucs techniques. Donc, Mélanie, s'il te plaît, peux-tu ouvrir le PowerPoint? Pardon, j'ai eu un petit souci technique, mais c'est bon. Bon, c'est pas grave, pour tout le monde, pardon pour ce petit problème technique, mais c'est le Zoom et on est toujours gêné avec le Zoom, c'est tellement étrange. Donc, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Donc, on attend juste le PowerPoint. OK. Donc, voici mon présentation. Comme j'ai dit avant, je suis le commissaire et gestionnaire du projet et le conseiller de développement professionnel pour ce projet. Juste une petite introduction. Moi, je suis un artiste visuel, commissaire et travailleur culturel, originaire de Singapour et établi à Montréal depuis 1999. J'œuvre depuis longtemps dans le milieu communautaire afin de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur de l'éducation, des arts et de la culture. J'ai été commissaire du programme d'art visuel de FESPA Accès Asie de 2014 à 2016, où j'ai occupé aussi le rôle de vice-président du conseil d'administration. Présentement, je suis trésorier au conseil d'administration au mai. Je suis aussi membre exécutif du conseil d'administration de English Language Arts Network. Et je siège au comité d'évaluation des nouvelles pratiques artistiques et secteur pluridisciplinaire du Conseil des arts de Montréal depuis 2017. Et en plus, le Conseil des arts de Montréal a financé ce projet. Donc, on commence avec le début du projet. L'idée est venue en fait des enjeux sociaux concernant l'intégration et l'inclusion des personnes handicapées. Donc, le projet est une habilité, est un projet pilote, une pratique inclusive initiée pour le Festival Accès Asie. Les handicaps physiques représentent de nombreuses barrières à l'intégration du milieu professionnel des arts pour les artistes qui les vivent, dû à la difficulté à recevoir de la formation artistique professionnelle de qualité adaptée à leurs besoins, à l'isolement, au manque d'accessibilité générale et au harcèlement. Donc partant du constat de ces nombreux spectacles, ah mais non pas spectacles, obstacles, excusez-moi, au quotidien, le Festival Accès Asie, avec le soutien du Conseil des arts de Montréal et MAI, Montréal Art Interculturel, a mis sur pied le projet Habilité. Cette initiative a pour but d'aider les artistes handicapés à s'intégrer dans le milieu professionnel des arts à Montréal. Pour débuter pour les projets pilotes, le festival a fourni l'appui en formation adaptée, en développement professionnel et en accommodement à Zélia Caviani afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs artistiques et professionnels et produire une exposition solo, une performance danse. Et le bilan de cette expérience dans cette conférence. Donc, ce projet vise à aider l'artiste à contrer l'isolement, développer et renforcer ses outils de communication, approfondir ses connaissances et ses techniques en art visuel de l'art et en danse, assurer sa présence en tant que praticienne lors d'événements culturels et s'intégrer professionnellement et socialement dans le milieu artistique. En grosso modo, les objectifs sociaux du projet sont de combattre l'isolement des artistes en situation de handicap en favorisant l'élimination des obstacles comportementaux, environnementaux et institutionnels, favoriser l'accès au secteur des arts et des cultures pour les artistes vivant en situation de handicap, pour augmenter leur présence et leur action
lors d'événements culturels, promouvoir l'inclusion, l'intégration, l'échange interculturel dans le milieu artistique et promouvoir les pratiques artistiques des personnes handicapées dans les secteurs des arts et de la culture. Donc moi, commissaire, gestionnaire de projet, moi j'ai géré le projet de conception jusqu'à la réalisation. Donc ça veut dire que j'ai fait de tout, comprenant l'administration, la logistique, la rédaction, la traduction, le marketing, la presse, et j'ai une très très longue liste que je ne vais pas répéter ici, mais suffit à dire que j'ai très peu dormi pendant ce temps. Donc, en créant ce projet, j'avais en tête les quatre composants majeurs de ce port d'Azalea. Donc l'idée c'était comme de mettre ensemble toute une équipe comme les Beatles, où chaque personne, chaque membre de l'équipe jouait un rôle essentiel et donnait quelque chose qui enrichit le projet. Donc, par exemple, dans les arts visuels, peinture et dessin, mon rôle, c'était de vraiment valoriser l'imagination et renforcer le côté conceptuel de l'artiste. Du côté santé, Elise Andreoli a joué un peu le rôle de mère, elle a renforcé le bien-être physique et psychologique de l'artiste. En danse, Irène Becker, elle jouait la voix d'expérience et donnait de la valeur au corps et à l'expression corporelle pour que Azalea se sente plus à l'aise avec son corps. Enfin, la documentation de l'expérience, c'était Laurence Lee qui était responsable de renforcer la confiance en soi et l'estime du soi de l'artiste en captant les accomplissements de l'artiste. Donc, chaque composant converge vers le renforcement de la confiance en soi et une plus grande indépendance. Il aussi développe des compétences de communication et de socialisation. Il crée des bases d'une carrière professionnelle dans les arts. On a mis un accent important sur le travail acharné, le plaisir et la création collective d'une expérience créative inoubliable. Donc, voilà. Prochaine slide, s'il te plaît, Mélanie. Donc, on a fait des sorties. Avant de créer le projet, j'ai fait des sorties au musée, aux galeries, avec l'artiste. Donc ici, on voit Azalea Kaviani au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Prochaine, s'il te plaît. Donc, on a visité des galeries comme la Fee Center. Et donc, ça, c'était, comme j'ai dit avant, c'était avant la création de projet. Et donc, en accompagnant Azalea, j'ai appris tout le côté, bon, pas seulement le côté logistique, toute la planification qu'on doit faire autour d'une personne handicapée, mais aussi j'ai commencé à apprendre de sa vision du monde, de son façon de communiquer, de sa façon vraiment d'apprécier l'art. Moi, j'étais toujours touché par le fait qu'elle ne voyait pas les œuvres d'art depuis un point de vue intellectuel, sinon émotif et instinctuel. Donc, ça, c'était vraiment un plaisir de faire tout ce petit voyage. Prochaine diapo. En août de 2018, Azalea a présenté ses peintures dans une exposition duo avec Koso Berramandi au Mekik, au Galerie Mekik. Et donc, c'était là que j'ai pris connaissance de son travail artistique. Donc, on voit ici le petit tableau qui est à côté. Ça, l'autre portrait était fait par Azalea. Donc, avec ce portrait, on a appris après qu'Azalea a peint ce tableau, mais avec de l'aide des professeurs qui a travaillé pour mélanger les couleurs et aussi pour faire des détails. Prochaine diapo. Ça, c'est encore Mekik. Donc, c'était là où on a commencé à boire et on a commencé d'avoir des idées de foule. Donc ici, on voit Koso Berramandi, Azalea, on voit Elise aussi et notre chère amie Elodie. Donc on est allé, après l'exposition qui était fréquentée pour la famille de l'artiste, on est allé dans un bar et c'était là où j'ai eu cette idée de
créer un projet, pourquoi pas, où on allait présenter Azélia et aussi okay, on allait présenter une œuvre, créer une œuvre de performance en danse, la suivante. Donc, du octobre 2018 jusqu'au août de 2019, on a travaillé sur la phase de développement du projet. Donc, c'était Koso Beramandi et moi et Zélia qui nous avons travaillé sur les différents concepts. Donc, c'est ça. Prochaine, pour favor. Aussi, pendant cette période, on a eu la chance de nous familiariser avec les besoins spéciaux d'Azélia. Par exemple, ici, on voit la voiture. Ça, c'est du transport adapté qui permet à Azélia de voyager. Donc, on a aussi eu l'opportunité d'apprendre aussi les différents défis au niveau logistique, au niveau de temps. Avec une personne handicapée, comme Azélia dans son cas, on doit planifier tout en avance, on doit être très, très, très exact au niveau de données, des informations, de donner des adresses civiques. Et il faudra aussi prévenir que le transport adapté est souvent en retard, d'une demi-heure et parfois même d'une heure. Et ça fait mal en hiver, je sais, parce qu'on l'a vécu. Prochaine. Donc aussi, on a eu la chance d'apprendre de la pratique et le processus artistique d'Azélia. Et donc, on est allé à son atelier, on l'a filmé en train de travailler et dessiner. Ici, on la voit avec un dessin d'un dauphin. J'ai remarqué que quand Azélia fait des dessins, c'est comme si elle est possédée pour une bête ou un diable. Parce que quand elle travaille, elle dessine sans cesse. Et il ne travaille pas, dans ce cas, il ne travaillait pas avec un modèle ou une photo. Tout venait de son imaginaire. Et quand elle travaillait sur le plancher, et pour pouvoir faire le dessin, il se poussait vers son sofa pour faire une support. Et après, avec le bras et les jambes, il a fait une sorte de pivot. Donc, c'est un travail qui, à mon avis, c'est très beau à voir, mais aussi, si j'ai bien compris de la part d'Azélia, ça lui fait mal aussi de faire des dessins physiquement à cause de la posture et tout ça. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, en septembre, enfin, nous avons débuté le projet avec l'équipe de projet Habilité, avec le généreux financement appui du Conseil des arts de Montréal. Donc ici, on voit l'équipe, le premier rencontre que nous avons fait au Montréal Art Interculturel. Donc, c'était ça. Prochaine, pour favor. S'il vous plaît. Excusez-moi, je mélange les langues. Les langues, pas les langues. Septembre 2019 jusqu'à mars 2020. Donc, c'était vraiment cette période où c'était très chargé avec toute l'équipe. Nous avons fait des répétitions de danse. Il y a aussi la formation en danse adaptée, donc avec Irène Bechter. Yézélia. Et donc, moi, j'étais assez souvent là, ainsi que Laurence Lee, qui faisait la documentation. Juste pour vous dire, au niveau de logistique, c'était très compliqué parce que quand j'ai travaillé sur les horaires, on changeait des répétitions tout le temps, les horaires. Donc, c'était beaucoup de travail. Je l'ai fait pendant mes heures de lunch ou le matin avant de partir de la maison le soir après de venir du bureau. Prochain. Et aussi, pendant cette période, on a développé une bonne méthode de communication. Donc, nous avons communiqué avec Messenger, texte. Il faut dire aussi qu'on était supposé de présenter le projet terminé en la fin d'avril 2020. Donc, c'était une période très courte, mais très, très, très intense. Aussi, au niveau des communications entre l'équipe, nous avons communiqué pendant le soir, le jour, le matin, pendant tout le jour. Et même avec Zélie, nous a communiqué hors de temps de travail d'habitude. Et donc, c'était une nouvelle expérience pour moi au niveau de gestion de temps. Prochaine. Aussi, nous avons eu l'opportunité d'apprendre comment la façon qu'Azélie s'explique
se communiquent. Parfois, c'est très, très dense. Elle écrit des textes, très, très, très longs textes. Et ça prend du temps pour pouvoir discerner qu'est-ce que ça veut dire. Et aussi, de mon côté, moi, j'ai commencé à prendre ces textes et les classifier et les organiser pour pouvoir l'utiliser pour l'exposition et pour le projet. Prochain. Donc, en personne aussi, on a développé de bons outils de communication. En général, ils les communiquent par iPad. Prochaine. Et elle tape lentement, mot pour mot. Et au début, quand on a commencé à travailler ensemble, elle utilisait, le texte qu'on utilise avec les iPads. On n'avait pas, c'était très difficile à lire parce que c'était tout petit, c'était dans les notes de Mac. Donc après, ce qu'on a, on a fait, expérimenté avec plusieurs logiciels pour enregistrer la voix, il fait en sorte que ça parle ou ça lise les mots. Voilà. Donc ça a beaucoup aidé à faciliter la communication. Prochaine, s'il vous plaît. Aussi, on a, de mon côté, moi, je suis allé faire des magasinages de maternité avec Zélia. Dû à son condition, elle ne peut pas vraiment porter des affaires, des tableaux ou beaucoup de matériaux. Donc, elle a eu besoin de moi de lui aider à aussi choisir les matériaux, d'apporter les matériaux. Et aussi, de mon côté, moi, je lui ai enseigné un peu qu'est-ce que c'est le matériel professionnel qu'on utilise comme un artiste professionnel. Prochaine. Donc ici, on nous voit en train de remplir notre panier sur roulette avec des produits. Prochaine. Ici, on a expérimenté avec un logiciel pour enregistrer la voix. Ça n'a pas vraiment fonctionné, mais on a eu des fans quand même. Ça, c'était au musée de Beaux-Arts. Prochaine. Aussi, je l'ai fait visiter des expositions et dans les expositions, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'est une exposition, qu'est-ce que c'est le côté conceptuel, comment est-ce qu'on organise une exposition, quels sont les différents components, quelles sont les différentes variations de présentation, d'éclairage, etc., etc. Prochain. Ici, on le voit encore avec des tableaux. Chaque fois qu'elle voyait un tableau qu'elle aimait, elle me disait, elle me signalait, prendre photo et j'ai pris des photos. Prochaine. Donc, c'est ça. On lui a fait découvrir plusieurs étages du musée de l'art contemporain, de l'art ancien. Ce qu'il a préféré le plus, c'est l'art impressionniste. Prochaine. Aussi, une autre chose que Zélie aime faire, c'est les mouvements, je ne sais pas, chorégraphiques de yoga pour s'exprimer son joie. Donc ici, elle exprime son joie, j'espère. Prochaine. Donc on a eu des fans, c'est ça qui est important, parce que toute l'expérience est sociale, mais aussi c'est professionnel. Prochaine. Je l'ai aussi, pendant cette période, visité assez souvent son atelier pour suivre le progrès de son travail. Donc ici, on le voit avec la pièce titre de cette exposition, Les Nocturnes. Suivant. Aussi, une autre chose, c'est ce qu'on lui a appris, comment présenter ses œuvres, comment c'est important d'encadrer professionnellement les dessins. Donc, on a visité l'Encadrex, l'atelier Encadrex. Heureusement, l'Encadrex est devenu un commanditaire pour cette exposition et ce projet en nous fournissant l'encadrage à un prix réduit. Prochaine. Aussi, on lui a appris aussi de faire plus de réseautage dans le milieu artistique et culturel. Donc ici, on le voit lors d'un vernissage. Donc, on était tous en train de travailler très fort sur le projet, le côté danse, le côté santé, la documentation, le côté la peinture et le dessin. Et la pandémie est arrivée en mars
et nous avons tout freiné. Nous avons dû aussi annuler l'exposition que nous avions, l'exposition et performance que nous avions prévue pour présenter le Conseil des Arts de Montréal en fin d'avril 2020. Donc, du mars 2020, je dirais que jusqu'au mai 2021, j'ai vu très peu, je n'ai pas vu l'équipe du projet. On s'est communiqué, mais tout était sur glace jusqu'à, je dirais, novembre. On a recommencé doucement de retravailler sur le projet. On a proposé le projet à la Maison de la Culture Jeanine Souto, qui ont accepté notre proposition de nous présenter en mai 2021. Donc, à partir de, je dirais, février-mars, on a recommencé les grandes machines et j'ai travaillé très fort ensemble avec Zélie pendant cette période pour créer l'exposition et pour mettre tout ensemble. Donc, la prochaine. Et voilà, le montage de l'exposition Les Nocturnes. Donc, ici, on voit les textes que Azélie a créés, aussi avec la documentation que Laurence nous a fournie. Prochaine. Ici, on voit dans l'exposition en train de faire le montage. C'était extrêmement important pour... c'est bon, on peut rester ici. C'était extrêmement important qu'Azélie rencontre tout le... qu'elle connaît tous les processus, pas seulement du côté du processus de création de l'œuvre artistique, et tout le côté de développement professionnel mais aussi, et le réseautage, mais aussi le montage. Comment est-ce qu'on monte une exposition? Parce que c'est dans l'application que je pense qu'elle apprend les choses. Au niveau conceptuel, moins, mais vraiment, c'est quand elle voit comment les choses, les tableaux, quand ils sont accrochés avec l'éclairage, ou aussi le travail de l'équipe, quand on travaille avec les techniciens de la Maison de la Culture, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait des amis, comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on communique, est extrêmement important. Et donc, on le voit ici, en train de travailler. Prochaine. Ici, on voit l'équipe. Nous avons documenté tout le processus, comme vous voyez. Donc ici, c'était vers la fin de le montage. Et prochaine. Et voilà, l'exposition Les Nocturnes, il a ouvert le 6 de mai. Et donc ici, on voit les membres de l'équipe avec ces jolis tableaux. Prochaine. Ici, on voit notre fameuse et célèbre artiste Zélia Caviani avec ses tableaux en train de faire ce geste de joie. Prochaine. Donc, merci et bravo à Zélia, surtout, et aussi à toute l'équipe. Maintenant, nous allons présenter une petite vidéo qui montre, en fait, l'exposition. Mélanie, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Kakim Go, je suis le commissaire de l'exposition Les Nocturnes de l'artiste visuelle et danseuse Zélia Caviani. C'est la première exposition solo de cet artiste et on présente ses dessins et ses peintures. Donc, on est en train de monter l'exposition. En fait, on vient juste d'accrocher les œuvres. Donc, l'exposition, elle va ouvrir le 6 mai. Il va durer du 6 au 30 mai 2021, ici à la Maison de la Culture Jeanine Souto.
très grande merci à tout le support. Je vous souhaite une bonne visite et bienvenue. Oui, bonjour. Maintenant, c'est encore moi. J'ai le plaisir de présenter la troisième partie qui est une présentation de l'artiste en formation, Zélie Caviani. Due à son condition, moi, je vais servir comme son voix et je vais lire ses textes, son présentation que nous avons créé ensemble. Donc, Mélanie, s'il vous plaît, la première diapo. Il y a vraiment des soucis avec Zoom aujourd'hui. J'arrive pas à ouvrir le PowerPoint. Je vais réessayer. Malheureusement, j'arrive pas. Est-ce que toi, tu peux essayer? Ah, attends, c'est bon, je te le mets. Ok, excellent. Right. Donc maintenant, oui, on va continuer avec cette partie qui est la présentation de Zélie Caviani. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Ok. Donc, voici la biographie de Zélie Caviani. Zélie Caviani est née en Iran et émigrée à Montréal en 2006. Elle est une artiste visuelle et danseuse qui vit avec une paralysie cérébrale depuis l'enfance. Ayant fréquenté le Collège Dawson et les diplômés de l'Université Concordia, Zélie a exposé ses tableaux en 2018 à la Galerie McKeek au sein de l'exposition Duo Les Visages, ainsi qu'à l'exposition collective Salonesque au MAI, Montréal Art Interculturel, en 2015. De 2015 à 2017, Zélie a été soutenue pour le programme d'accompagnement du MAI et a été deux reprises récipiendaire de résidence artistique de ce même organisme. À travers son art, Zélie est motivée par le désir d'inspirer les personnes avec un handicap pour poursuivre leurs ambitions, les encourager de ne pas se marginaliser. Les Nocturnes est son première exposition solo. Donc, le rôle de cet artiste, de l'artiste en formation, c'est de suivre la formation adaptée en danse, ainsi qu'un plan de développement professionnel afin qu'elle puisse produire une exposition solo, une performance de danse et le bilan d'une expérience lors de cette conférence. Prochaine slide, s'il vous plaît. Okay. Donc, introduction. Donc, à partir d'ici, ça va être Zélie qui va parler. En fait, c'est le mot d'Azélie qui va sortir, mais à partir de mon voix. Je suis vraiment désolé parce que mon voix n'est pas aussi jolie que la voix d'Azélie, c'est un peu style Al Pacino, mais voilà. Donc, Azélie dit, j'ai migré à Montréal depuis Iran en 2006. Je suis un artiste visuel et un interprète en danse qui vit avec une paralysie cérébrale depuis l'enfance. 3 mois après ma naissance, je suis tombé très malade. J'ai contracté une maladie qui a endommagé mes cellules cérébrales, ce qui a entraîné chez moi des troubles physiques et de la parole. Ils ont conclu que j'avais perdu la moitié de mes cellules cérébrales. À travers mon art, je suis motivé par le désir d'inspirer les personnes avec un handicap à poursuivre leurs ambitions, de les encourager à ne pas se marginaliser. Ici, on va regarder d'où vient l'intérêt d'Azélie pour l'art.
Azélia dit, j'ai commencé à être intéressée à l'art lorsque j'étais petite. Après, j'ai commencé à faire du yoga et ensuite de la danse quand j'étais à l'université. Ça me rend joyeuse et chaleureuse dans ma vie. Je suis ravie d'avoir trouvé mon talent. J'ai commencé à suivre des cours d'art visuel lorsque j'étais petit. Je ne me rappelle plus quel âge exactement, mais lorsque j'ai commencé à travailler avec l'art visuel, j'ai vu l'univers différemment. L'art a rendu ma situation plus facile. J'ai aussi suivi des cours de yoga et de danse car avant, j'étais en dépression. Après avoir trouvé mon talent dans l'art, je suis devenu une personne qui peut faire des activités à l'université. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et voici le message du projet Habilité qu'Azélia a écrit. Aujourd'hui, nous sommes réunissons pour montrer que nous, les personnes qui sont différentes et que celles qui ne sont pas sont capables de vivre et de prospérer de la même manière et en l'absence d'obstacles. Aujourd'hui, nous sommes dans l'univers pour aider à améliorer la vie des autres et à la nôtre à travers notre travail et notre créativité. Quelqu'un m'a demandé un jour comment je vivais avec mes défis. J'ai répondu, je vis avec mes talents. Mes défis sont facteurs de motivation pour m'aider à gagner une confiance et améliorer ma vie. Ils m'aident à prospérer, à cultiver et à développer mes capacités. Nous, l'équipe du projet Habilité, sommes ici en tant que communauté pour montrer au monde et aux personnes faisant face à des limitations qu'ils sont capables d'accomplir tout ce qu'ils veulent et qu'ils ne sont pas seuls. Chaque matin, nous naissons. Chaque matin est une nouvelle opportunité de développer nos talents de différentes manières. À travers l'art, les affaires, la science et tout ce qui nous passionne et nous inspire. Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager mes œuvres. Cela m'apporte un grand sentiment de sérénité dans mon cœur de savoir que je suis entouré des gens formidables qui m'aiment et qui me soutiennent et m'encouragent. Je pense qu'il y a un problème avec les slides parce que ça change tout le temps, mais je vais juste continuer avec mon présentation. Mélanie, si tu pourrais juste régler pour que je peux diriger le slide. Si tu peux revenir aux photos des images de ces œuvres, ça serait bien apprécié. En fait, ici, ça va. Okay. Okay. Donc, au sujet de l'art visuel, Zélie dit, l'art visuel m'aide beaucoup à devenir plus forte et puissant quand je peins comme j'imagine. L'imagination est assez impressionnante pour le cerveau. Aussi, le fait de travailler avec les couleurs est magnifique pour se détendre. Okay. Ici, Azélia parle de son vécu de développement professionnel avec moi. Donc, elle avait écrit, Azélia dit, « Kakim est quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné, je l'appréciais. Nous sommes allés visiter la galerie et voir des différents spectacles de danse. Il est très bosseur. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux dire que j'ai appris plus avec lui que ce que j'ai appris à l'université. Par exemple, comment écrire professionnellement, comment faire une entrevue de presse, etc. Je peux créer maintenant de très bonnes descriptions pour mes démarches artistiques et mon introduction d'exposition. » Cela m'a appris à sortir de ma dépression. Traiter les couleurs me rend forte et puissante. J'ai appris à quel point l'art est important pour les êtres humains. J'ai appris comment gérer un projet. Kakim est un excellent commissaire et j'espère continuer à travailler avec lui et en apprendre davantage. La prochaine, c'est la consultation en santé avec Elise. Azélia dit, j'ai fait quelques activités avec Elise et Kakim. Nous sommes allés visiter les musées et des expositions. Elise est une infirmière clinicienne expérimentée qui m'aidait avec mon situation. Elise comprend mon situation bien plus que tous parce qu'elle a une petite fille qui est atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Elle croit que la thérapie est très magnifique pour les personnes qui ayant paralysie cérébrale. Maintenant, on arrive à la danse.
Zélia dit, je crois que l'exercice est une partie très importante du traitement pour mon corps. Le mouvement est bénéfique pour lutter contre la honte, la dépression et le stress. La danse est très inspirante pour moi. Je crois que ma danse au festival peut inspirer les personnes handicapées à poursuivre leurs ambitions, à se renforcer et à ne pas se retirer de la communauté à cause de leur handicap ou parce qu'ils croient qu'ils ne correspondent pas aux normes de la société. Les gens ne réalisent pas toujours leur habileté. L'art est quelque chose qui m'a ouvert et je pense qu'il aide toutes les personnes handicapées. Ensuite, au sujet de la formation en danse adaptée avec IREM, Zélia a dit, la science nous a appris que le cerveau nous façonne dans chaque situation. La danse m'aide beaucoup avec ma condition physique car cette dernière m'a fait très mal. La danse prépare mon corps avec des mouvements et les relâche. Lorsque j'arrête de bouger mon corps et que je ne fais pas d'exercice, je sens parfois que mon corps se verrouille et cela me dérange. IREM est la personne qui m'a aidé à danser. Mon corps est très relax lorsque je danse avec IREM. J'ai appris avec IREM qu'il est très important pour les danseurs d'être détenus, puis de s'échauffer, puis de commencer à travailler avec la danse. Ma paralysie cérébrale crée certains défis physiques. Comme j'ai un handicap, mon corps est parfois tendu, mais parfois non. La tension ne permet pas aux muscles de bouger facilement. La tension peut être contrôlée par la relaxation. Le processus de relaxation amène mon corps en ligne droite et m'a appris d'utiliser une respiration profonde. Cela prouve que nous pouvons façonner nos propres facteurs pour nous-mêmes. En les pratiquant, en les répétant plusieurs fois, c'est possible pour tout le monde. Je ne peux pas dire que mes facteurs sont parfaits, mais j'essaie d'être plus détendu. De toute évidence, nos cerveaux font de nous uniquement nous. J'apprends à me détendre, le processus de relaxation et que je dois ramener mon corps en ligne droite et prendre de grandes respirations. Je suis vraiment reconnaissant pour cette leçon que j'ai appris des reins. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas pu redresser mon cou et ouvrir mes doigts, surtout de côté gauche. La relaxation et la respiration m'aident à bouger lentement et à contrôler mes mouvements pour en faire une partie de ma vie quotidienne. Le mouvement est utile pour les personnes ayant un handicap CP. J'ai appris la discipline. C'est important pour un artiste professionnel. J'ai appris l'importance de la communication avec le partenaire et le public. Communiquer ses sentiments, la danse est le moyen de communiquer et d'entrer en contact avec d'autres personnes. C'est une façon de parler aux gens. Ainsi, je peux parler à d'autres personnes et montrer mon amour et que je fais partie d'eux. Je ressens de l'amour quand je danse. La danse est un excellent outil pour apprendre à être patiente et à améliorer mes capacités. Je me sens libre. La danse m'a aidé à renforcer ma confiance et ma mémoire. Prochaine, c'est la documentation photo et vidéo avec Laurence. Azélia dit, Laurence est une bonne photographe qui a travaillé avec moi pour ce projet. Nous avons fait la vidéo documentaire du projet et filmé des séances de yoga, peinture, danse et vélo. La documentation est très importante pour ce projet car il montre comment je travaille. J'appuie de lui comment il est important de faire des vidéos. Donc, au sujet de l'impact du projet Habilité, Zélia dit, avant le projet Habilité, j'ai cherché quelqu'un qui croyait en moi et qui pourrait m'aider sur mon chemin. J'ai appris beaucoup de choses avec le projet. Le projet nécessitait beaucoup de travail. C'est une équipe magnifique. Ma confiance en moi s'est améliorée. J'ai appris à bien danser. J'ai appris à être plus professionnel. Non, apprendre d'être plus professionnel m'a donné plus de confiance. Cependant, cela a également causé un petit stress car vous ne travaillez pas pour vous, mais collaborez en équipe. Il y a une grande différence entre le personnel et le professionnel, mais tu peux trouver ta confiance et le payer avec ton travail. L'art me procure un bien-être. Il y a de bienfaits d'avoir participé à ce projet artistique.
j'ai plus de confiance en moi-même en ce moment parce que je rencontre beaucoup de monde à travers ce projet. Ce projet m'aide beaucoup à améliorer ma mentalité. Quand je gagne plus de confiance en moi, je me sens de plus en plus accepté socialement. Je sens que rien ne peut m'empêcher à m'améliorer. L'art m'aide à adapter à ma condition. Pendant longtemps, ma tension ne me permettait pas à mes muscles de bouger facilement, mais ça peut être contrôlé par la relaxation. Le mouvement aide à activer mes muscles. Nous sommes similaires et les personnes ayant des handicaps font partie de la société. Les gens ayant des handicaps, ce n'est pas grave, ils travaillent même plus que les autres personnes. Je sens que l'on devrait remplacer le mot handicapé par habilité. De conseils pour les artistes en situation d'handicap. Azélia dit, le conseil que je veux donner aux personnes qui ont des handicaps sont les suivants. Tous les mouvements peuvent aider les personnes ayant des handicaps à améliorer le cerveau. Pas de mouvement pour les personnes ayant une paralysie cérébrale peut effectuer et verrouiller le corps. Si on veut être réussi dans la vie, il faut apprendre à être très détendu. C'est très important de pratiquer la danse ou le yoga avec relaxation. Également, la danse et le yoga peuvent les aider à réduire le stress, la dépression et renforcer les mémoires, car le mouvement aidera à activer les cellules du cerveau. En continuation, pour les artistes en situation d'handicap, trouvez vos talents et continuez jusqu'à la fin. Pour les organismes et institutions, ne refusez pas les personnes handicapées. Lorsqu'ils souhaitent joindre vous, ils doivent trouver le talent et la capacité. Laissez-les améliorer les talents. Au sujet de projet artistique futur, Azélia dit, c'est ma première expérience professionnelle dans les arts. Je veux diffuser mon art, mon projet au Québec et à Toronto, après autour du monde. Le but de mon projet est de montrer comment la pratique de la danse et la peinture peuvent aider les gens qui ont des handicaps. Azélia dit merci et moi aussi. Donc, maintenant, on va continuer avec la prochaine présentation d'Élise Andrioli. Bonjour tout le monde. Mais merci Kakim, merci Azélia pour la belle opportunité que vous m'avez donnée, que vous avez cru vous aussi en moi. Vous avez vu, les gens doivent se demander, une infirmière, qu'est-ce que ça fait en or? Pourquoi avoir eu recours à une infirmière? C'est souvent les questions qu'on avait quand on faisait la tournée là, dans les expositions. Comme vous pouvez voir là, dans ma biographie, je suis infirmière clinicienne au CHUM depuis 20 ans et je suis la maman de jumeaux de 9 ans, dont Zachary et Annabelle, sur l'autre slide, Mélanie. Zachary et Annabelle, ma fille Annabelle est atteinte d'une paralysie cérébrale de stade léger qui a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans. Et je comprends, quand on s'en parlait tout ensemble, je comprenais très bien ce qu'Azélia vivait, puis sa maman aussi, vous allez voir là, dans les prochaines slides un peu notre parcours, parce que je me suis battue pour que ma fille puisse avoir des soins et des services d'une équipe multidisciplinaire, afin qu'au bout de tout, elle puisse être autonome et vivre comme Azélia, comme tous ces gens-là à défi. Le plus normalement possible. Et quand on m'a proposé ce projet-là, Kakim puis Kostro en parlait, on était assis autour d'un verre, puis ils parlaient un peu d'Azélia, leurs craintes, comment c'était. Puis je me revoyais avec ma fille, puis de dire, mais regarde, il faut faire quelque chose pour ces gens-là, parce que ma fille va grandir un jour, puis il ne faut pas avoir peur de la différence, peu importe s'ils sont... Ils sont juste différents. Ils ne sont pas anormaux, ils ne sont pas malades, ils sont juste différents. Il faut les accommoder, il faut rentrer, les inclure dans nos vies. Donc, c'est un peu ça. On va aller à la diapo là, sur la paralysie cérébrale.
qu'est-ce que la paralysie cérébrale? Souvent, les gens se questionnent. On a vu beaucoup de téléthons là-dessus. Et je suis allée sur le site paralysiecérébrale.org, qui est l'organisme de la paralysie cérébrale. Puis la définition qui était donnée, c'est que c'est une maladie qui cause des lésions au cerveau du fœtus ou du bébé. Comme vous pouvez voir, Azélia, elle n'est pas née avec ça, elle l'a acquis durant sa jeune enfance. C'est une destruction des cellules du cerveau qui sont en plein développement. Puis cette destruction-là provoque des troubles, autant au niveau du mouvement ou de la posture, puis ça peut causer un problème au niveau cognitif et sensoriel, puis ça, c'est irréversible. Donc, j'aurais pu sortir plein d'informations, mais c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'elle a un peu les contractures. Nous, dans notre langage médical, c'est des contractures qu'on voit. La posture est un peu difforme. Mais il faut avoir en tête toutes les cellules du cerveau, c'est des cellules neurologiques et on en a partout dans le corps. C'est eux qui assurent le transport des neurotransmetteurs. Quand notre cerveau, on y dit à notre pied, bouge, l'influx nerveux part du cerveau et s'en va au niveau du pied, mettons. Donc, pour les gens qui ont la paralysie cérébrale, il y a une destruction au niveau de ces cellules-là qui fait que l'influx est plus désordonné et plus laborieux. Et quand on le voit, puis on voit des vidéos, c'est que c'est plus difforme, c'est moins fluide comme nous. Et effectivement, dans la danse, ça permet là, de canaliser cette énergie-là, cet influx-là pour permettre, oui, le mouvement qui n'est pas nécessairement fluide comme tout le monde, mais qui est plus un peu plus désordonné, mais qui est là. Initialement, on m'avait demandé, là, avant de présenter le projet, les artistes autour d'Azélia, les intervenants, avaient toutes des inquiétudes, pas des problèmes, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est une inquiétude, un inconfort, parce que ça ne savait pas trop comment réagir, comment être avec Azélia, comment faut dealer avec des gens qui sont différents de nous. Donc, et de là est né mon rôle. Il y avait plusieurs étapes dans mon rôle d'outiller toute l'équipe à quasiment être des infirmiers, infirmières ou des préposés ou à être des super fin connaisseurs de la paralysie cérébrale parce que c'était de l'anxiété. C'était de la différence. On ne savait pas trop c'était quoi. Donc, mon rôle que je me suis donné beaucoup, c'était juste de créer ce pont de communication-là entre l'artiste et l'équipe. Juste que les deux puissent se comprendre, qu'on puisse trouver une façon de communiquer ensemble pour que tout le monde se comprenne. Donc, j'étais aussi un peu j'ai joué aussi, là, j'ai fait de la relation d'aide dans l'équipe. Auprès de certains membres qui étaient anxieux, qui ne savaient pas trop, qui se questionnaient sur leur rôle, sur le rôle d'Azélia, sur sa façon qu'elle devrait être. Il y a eu beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Mon rôle, c'est beaucoup d'aider les gens juste à s'adapter à la différence et aider Azélia à s'adapter aussi aux exigences du milieu. Parce qu'on ne se leurre pas, le milieu a des exigences envers les gens. On est une société qui exige beaucoup des gens. Donc, mon rôle, c'est d'amener tous ces gens-là à se réunir et avoir un outil de communication pour être capable de cheminer dans ce projet-là. Une des façons qu'on a eues, c'est que j'ai accompagné Azélia et des membres de l'équipe dans des sorties d'exposition. Pour leur expliquer, pour vivre comment Azélia elle vivait ça, puis aussi comment l'équipe vit ça, d'être avec Azélia dans sa différence, dans sa façon de voir les choses, aussi de ralentir l'équipe dans son élan, parce que des fois, nous, quand tout va bien, on peut dire, mais on peut faire 15 millions d'affaires d'une journée. C'était de ramener l'équipe en disant, mais Azélia a des limites, il faut les respecter, ces limites-là, être capable d'être tolérant là-dedans. Puis de s'assurer que l'expérience
et positive pour tout le monde. Donc, mon rôle était beaucoup là-dedans dans l'équipe, de penser aux besoins d'Azélia. Parce que quand on n'a pas de défi, on ne pense pas qu'on a des besoins de base, on a des besoins. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est on était là dans une exposition, puis on s'est pris un verre de vin, puis Azélia, elle voulait aussi boire quelque chose, mais on n'avait pas, il fallait trouver comment on pouvait l'aider à boire. Mais c'était de s'adapter à elle, de dire, elle est capable d'être comme tout le monde, de prendre un verre, mais il faut juste s'adapter en ayant une taille. C'est juste de s'adapter, de voir les choses différemment, puis de dire, mais on va trouver des solutions. Puis même dans les expositions, les gens avaient des solutions, s'adaptaient à elles. Donc, c'est ça qui était intéressant. Il y a eu aussi, on a eu des rencontres avec sa mère pour un peu comprendre d'où vient Azélia. Tout le parcours qu'elle a eu, ça nous a permis de comprendre que malgré toutes les manques que le système de la santé n'a pas su, pas dire comme ça, elle n'a pas eu accès à des ressources d'une physiothérapeute, d'une ergothérapeute, d'une orthophoniste, comme nos jeunes ici au Québec, on a, mais que dans son pays où elle était, elle n'avait pas accès à ça. Donc, elle a cheminé là-dedans. Elle a grandi à travers les lacunes qu'il y avait dans son pays, puis qui est arrivée ici, puis le projet, elle a eu accès à une physiothérapeute qui a pu l'aider dans ses mouvements, dans ses étirements. Ici au Québec, bon, on est chanceux, on a des bonnes équipes qui aident les gens qui ont des besoins au niveau le physique, même au niveau de la communication, d'où était mon deuxième mandat, de faciliter cette communication-là, de trouver une façon de tout se parler et de se comprendre. Parce qu'on voit Azélia, elle écrit, ça devient, des fois c'est long, ça peut être très long à rédiger ce qu'elle voulait. C'est de trouver des cues ensemble. Au début, les rencontres étaient longues, étaient plus laborieuses parce que c'était plus difficile de comprendre. Mais aussi, pour certains membres de l'équipe, des fois, j'ai dû me mettre comme l'avocat d'Azélia, dire, regarde, elle ne t'écoute plus. Il faut changer notre façon de voir de dire les choses. On ne peut pas être juste en théorie, puis tout expliquer. Les gens qui ont la parole cérébrale, il faut faire des phrases courtes. Il faut aller direct au point, être direct sur le c'est quoi tu veux, c'est quoi tes attentes exactement, puis être capable d'aller là pour dire bien, mon attente, elle est là, puis dire ça à la personne. Un coup que les gens ont compris ça, bien, on a réussi à avoir une meilleure communication. C'est pour ça que, tu sais, quand on dit le faciliter, j'avais commandé de faciliter cette communication-là, comme on peut voir dans la deuxième, dans l'autre diapo. C'est vraiment là, de faciliter, d'aider l'équipe à comprendre, puis des fois, là, de rassurer l'équipe là-dedans. Si on peut voir là, dans l'autre diapo, là, d'évaluer pour mieux comprendre. Irène, j'étais des séances de danse qu'elle avait avec Azélia. Puis il y a des choses, des mouvements qu'elle avait de la difficulté à faire, mais c'est d'évaluer, est-ce que c'est de la douleur qu'elle a? Est-ce que c'est de la contracture? Est-ce que si on masse, est-ce qu'on peut diminuer, là, pas diminuer, mais plus rendre les mouvements plus fluides? C'est vraiment, là, le massage aide beaucoup là, pour rendre le muscle plus doux, moins contracturé, moins raide. Parce que c'est ça, Azélia, quand elle devient stressée, anxieuse, elle se rigidifie. Donc, il fallait vraiment l'aider à se calmer. Puis, vous allez voir dans la présentation d'Irène, ce qu'elle a pu faire là, pour ramener Azélia là-dedans. Donc, je passe la parole à la prochaine panéliste, qui, je crois, est Madame Irène. Oui,
Bonjour. Le prochain panéliste, excusez-moi. en fait, c'est juste un instant. J'ai passé trop de désirs devant l'ordinateur. Laurence Lee. On présente Laurence Lee. S'il vous plaît, Laurence et Mélanie, si tu peux préparer le slide. Bonjour tout le monde. Oui, alors dans le projet, je suis le réalisateur, le vidéaste et photographe du projet Habilité. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a approché en m'appelant, en me disant qu'il avait besoin de quelqu'un qui documente le projet et qui serait aussi prêt à faire un court documentaire sur le projet Habilité et sur Azalia. Puis le but, c'était vraiment de documenter tout le projet Habilité, les démarches, puis aussi de participer avec Azalia sur les idées qu'elle avait pour se filmer, pour se documenter. Sinon, rapidement sur moi, je m'appelle Laurent Fli, je suis un réalisateur, producteur, monteur et scénariste. J'ai réalisé quelques films, la plupart sont plutôt financés. J'ai participé à des festivals de films, j'ai eu une maîtrise en communication, profil cinéma et images en mouvement à l'UQAM. Puis, je pense que dans mon parcours, ce qui m'intéresse beaucoup au niveau de la création et au niveau de ma démarche personnelle aussi, c'est la question d'orientation poétique face à des enjeux tels que les inégalités, le racisme ou la recherche de soi. Puis, lorsque Kakim m'a approché pour le projet, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais apporter au projet en tant que personne et en tant que réalisateur. Puis je ne savais pas trop parce que je n'ai jamais fait de documentaire avant celui que vous allez voir éventuellement. Et j'ai surtout fait de la fiction, j'ai fait des trucs expérimentaux et tout, mais pas de documentaire. Et je me suis dit, bon, ce serait bien que je me mette au défi à faire un documentaire, mais c'est aussi de savoir comment je pouvais... qu'est-ce que je pouvais faire pour apporter au projet. Je ne voulais pas juste être quelqu'un qui soit là pour faire un truc. Et je me suis un peu rappelé du fait que ce qui m'intéressait beaucoup, c'est l'orientation poétique. C'est deux mots que j'aime bien mettre ensemble parce que c'est deux concepts que j'ai utilisés dans ma mémoire de maîtrise. Grosso modo, orientation, c'est le fait qu'on... C'est le fait que chaque personne s'oriente dans la vie par rapport à un contexte, par rapport à des enjeux, à des défis. Et poétique, c'est de ramener toujours cette orientation par rapport à soi, et par rapport à notre relation au monde. Puis en faire quelque chose de poétique. Poétique, c'est un gros mot artistique, mais c'est tout simplement pour dire qu'on se met comme dans une posture de se dire qu'on est toutes des personnes qui est une œuvre d'art, qui émane quelque chose et qui essaie de, à partir de son image, à partir de ce que l'on fait, d'apporter quelque chose à la société ou au monde. Donc, c'est à partir de cette question-là que je me suis dit, bon, je pourrais approcher un peu... Cette recherche que j'ai faite de manière très théorique avec Azalia et avec le projet Habilité. Et je me suis dit, bon, ce serait quelque chose d'intéressant parce que c'est des concepts que je maîtrise et que je voulais le mettre en pratique avec Azalia. Alors, quand j'ai tout début du projet, le but était un peu d'apprendre, en tout cas pour moi, était d'apprendre c'est quoi le projet Habilité, d'apprendre à comprendre c'est quoi le projet, à connaître le projet, de voir c'est quoi les enjeux qui entourent le projet, parce que non seulement j'étais pas documentariste, mais je ne connaissais pas quelqu'un qui vit avec une paralysie cérébrale. C'était un double défi de se mettre dans une posture où je suis sûr que je suis un peu observateur et silencieux dans la vie. Alors, c'était bien de pouvoir se dire que je suis derrière la caméra, que je suis quelqu'un qui va observer,
je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ma caméra, comment je peux faire en sorte que mes observations puissent aussi se retrouver à travers les images de ma caméra. Et je voulais aussi que ce projet-là puisse être quelque chose. L'approche que je voulais amener avec, dans ce projet, c'est de me dire que je participe avec Azalia dans ce projet-là, que je ne suis pas la personne qui va juste dire des choses ou visualiser des choses à partir de mon point de vue. Je voulais que Azalia m'aide à me dire c'est quoi qu'elle a besoin, c'est quoi qu'elle veut, puisqu'elle est le sujet du court-métrage documentaire. Fait qu'au tout début du projet, il y avait cette question-là de comment est-ce que j'approche Azalia, comment est-ce que je fais pour qu'elle participe avec moi. Il y avait aussi la question du cinéma, la question de la caméra, où on se demande surtout qu'est-ce que la caméra ou la technologie peut pour Azalia. Et comme on parle de cinéma ou on parle d'image en mouvement, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux interpréter, comment est-ce que je peux rendre palpables les mouvements d'Azalia par rapport à son art, par rapport à sa condition, par rapport à ses défis. Puis, au final, je me suis dit qu'au tout début, que pour que ça puisse fonctionner, il faudrait que la caméra soit proche d'Azalia, il faut qu'elle soit, que la technologie ou tout ce qui entoure mes outils de cinéma, mes outils, c'est-à-dire la caméra, le son, la musique qui va venir en post-production, puis le mixage sonore et tout, tous ces outils-là sont des manières qui font... Je vais reformuler, excusez-moi. Ce que j'ai remarqué quand j'ai vu Azalia, c'est que oui, il y a des intervenants qui viennent l'aider, il y a des... Elle travaille aussi avec des outils pour faire de la peinture et tout. Elle a un iPad qui lui permet de d'écrire et de s'exprimer à travers des mots. Je me suis dit que voilà ce qui va m'intéresser, c'est surtout de voir comment est-ce que la technologie peut apporter quelque chose de plus à Azalia et en conséquence, qu'est-ce que moi, mes outils, peuvent apporter à Azalia. Ce qui fait en sorte que... À la fin, je pense que Kakim va vous montrer le court-métrage et vous allez voir un peu que ce que j'ai essayé de faire, c'est de pouvoir me dire que voilà, je veux avoir une narration de quelqu'un qui va porter la voix d'Azalia, qui va essayer de l'interpréter elle aussi. C'est une caméra qui va souffler avec, dans ses doigts, ses mains, ses mouvements, comment elle essaie de bouger, comment elle essaie de s'exprimer. C'est également une musique aussi qui essaie de voir à travers ses tableaux, à travers ses expressions, à travers sa joie de dessiner, à travers sa joie de nous rencontrer, quel genre de musique pourrait venir exprimer ça aussi. Donc, le but est de se dire que tous les outils que j'ai en cinéma, comment est-ce que je peux apporter ces outils-là pour le faire rejaillir avec Azalia. Fait que tout au long du projet, quand je parle d'une approche où je veux qu'elle participe avec moi, c'est de me dire... C'était de voir un peu c'est quoi qu'Azalia voudrait faire pour se faire voir, se montrer. Puis c'est ça tout le long du projet, elle avait beaucoup de... Je lui ai demandé souvent c'est quoi qu'elle aimerait que je filme, puis elle m'invitait c'était le fun parce qu'elle m'invitait chez elle à aller filmer, jouer au piano, aller faire du vélo. Elle m'invitait à son atelier pour que je puisse... montrer comment elle dessine, comment elle fait pour dessiner aussi, parce que bon, elle a toute une posture, elle a toute une technique. Puis je suis aussi allé filmer ses pratiques de danse avec Irem. Ça aussi, c'est encore une question de mouvement où je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour aller filmer ses pas de danse, sa manière d'écouter Irem, sa manière de danser avec Irem, sa manière de faire sa chorégraphie. Donc c'est ça, c'est une approche où je participe beaucoup avec ce que j'ai à offrir et ce que Azalia veut que je filme. Il y a des fois où j'ai filmé des trucs où elle était moins à l'aise que je monte ça dans le documentaire et comme moi, pour moi, c'était une approche où je participe avec elle, il était hors de question que je me mette à montrer des trucs dont elle n'a pas envie et si ça me rendrait, ça me rendrait mal à l'aise de montrer des choses que la personne ne veut pas. Fait que j'ai retenu la plupart du temps des images qu'elle aimerait montrer.
Et ça rend pas, ça fait pas en sorte qu'il y ait un conflit artistique du fait que je me sens brimé dans mon expression. C'est ça l'approche esthétique, si on veut, de ce projet-là. Et c'est ça, c'est des paramètres dans lesquels j'accepte et dont je suis extrêmement d'accord. Et ça n'enlève rien à, je sais pas, à la censure artistique ou des trucs du genre. Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour par rapport à moi, par rapport à comment j'ai approché le projet, par rapport au documentaire. Puis voilà, j'espère que c'est un... En tout cas, j'ai eu beaucoup de fun à faire ce projet-là. J'ai beaucoup appris, évidemment. Appris à connaître Azalea, appris à comprendre ce qu'elle vit, appris à comprendre moi par rapport à elle, puis appris aussi à me... C'est sûr que tout ça, ça m'a fait réfléchir par rapport à ma pratique, par rapport au cinéma et par rapport à ma relation personnelle envers les gens, puis envers tout le monde. Puis c'est ça. C'était hyper... C'est une très belle expérience. Je suis très content que Kakim, qu'Azalea, que Kosro, que tout le monde dans le projet m'a permis de participer. J'espère que j'ai pu apporter quelque chose de significatif. Je pense qu'on va vous montrer le documentaire. Puis, j'espère que vous allez aimer ça. N'hésitez pas à me lancer des rushs ou à me donner des critiques intéressantes sur le film. Je suis prêt à... J'aime beaucoup les entendre. Puis, ce serait extrêmement intéressant de savoir ce que vous en pensez. Merci. Nobody's there. They're stuck in the traffic. Oh, c'est pas vrai. Bien, on va aller s'asseoir en attendant. Hey, wow. Nice. Hey, how's it going? Okay. You were dancing. That one. Yeah, beautiful dress. Okay. Please, have a seat. Oh, you gotta take off your shoes. Oh, yes. Oh, sure. Take off your shoes. Je suis très contente de commencer à travailler avec vous. C'est un plaisir. Trois mois après ma naissance, je suis tombée très malade et les cellules de mon cerveau ont été endommagées. J'ai immigré d'Iran à Montréal en 2006. Puis j'ai appris l'anglais et le français comme langue seconde assez facilement. Thank you.
Je me souviens qu'une fois, en marchant dans les couloirs de l'université, les étudiants n'ont pas remarqué que je marchais devant eux et ils m'ont fait tomber. J'ai dessiné un papillon en hiver. Pour moi, le papillon est un symbole puissant et profond. Et l'hiver est un lieu d'amour. Es-tu fatigué? Non, ça va. Okay, bonjour. Merci beaucoup, Laurence, pour ton vidéo. Et maintenant, on va suivre avec la présentation de Irem Bechter. Irem Bechter, s'il te plaît. Allô? Just a sec, I'm trying. J'essaie de me fermer, mais OK, voilà. Bonjour tout le monde. Voilà. Je suis très heureuse de faire partie de ce projet. Quand Kakim est venu me demander si je voulais faire partie de ce projet, je dis mais oui. Donc, j'étais ravie. C'est une expérience unique avec toute l'équipe. Je suis autrice, compositrice, interprète et aussi danseuse et chorégraphe et comédienne. Je suis née à Istanbul, en Turquie. J'ai étudié la danse et le jeu en Angleterre pour ensuite vivre plus de 10 ans en Argentine où j'ai fait ma carrière en théâtre, en danse et musique. En même temps, là-bas, j'ai enseigné mon concept de rythme et corps à des jeunes ayant le syndrome de Down ainsi qu'à des aînés dans le programme de coordination motrice pour stimuler l'activité cérébrale et corporelle. Arrivée à Montréal en 2007, j'ai fondé l'Irem Bechter Quintet qui s'est produit sur diverses scènes, dont le Festival de jazz de Montréal. Mais simultanément, j'ai donné des ateliers au sein du programme Center for the Arts in Human Development à l'Université Concordia, destiné aux personnes relevant des défis relatifs à leur développement et aux individus demandant des besoins spéciaux. Bon, aujourd'hui, je suis fière de dire que je fais partie du projet Habilité depuis 2019. Aussi, je peux dire que mon tout premier album solo en français intitulé « Je suis ici » est sorti fin de l'année passée.
et que le spectacle de le même titre sera présenté bientôt à Montréal grâce à Conseil des arts de Montréal. Et je crois fermement que l'art et la santé vont de pair, et c'est de cette manière que je voulais travailler. Voilà, mon expérience avec Azalia. Pour moi, l'observation est toujours l'essentiel pour connaître l'artiste et pour gagner sa confiance. Et mon expérience, je peux dire mon expérience à Vancouver en 2015 avec un jeune homme qui vivait avec paralysie cérébrale et qui en même temps était autiste, m'a aidé beaucoup à trouver la bonne direction pour travailler avec Azalia. Mais en même temps, il y avait des choses que j'ai apprises dans le processus. C'est quand il y a une douleur, et c'est quand c'est, si c'est l'expression, c'est douleur ou le plaisir, par exemple. La communication à travers des hélices, l'importance des phrases courtes, et l'importance de repos. Donc, pour commencer, quand je dis mes expériences antérieures m'ont aidé, oui, mais on sait toujours, pour tout le monde, libérer le corps, c'est à travers de la relaxation et la respiration, surtout avec Azalia. La première chose était vraiment gagner sa confiance. Et ce n'était pas difficile pour moi. Azalia, c'est une personne qui dégage la joie. Elle est très travailleuse, j'ai trouvé, à travers de tous les projets. Elle est très travailleuse, mais il faut dire que toute l'équipe, Kakim, tout le monde, ont travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir coordonner tout, mais surtout la partie de la danse, le studio, le fait qu'il faut être vraiment discipliné. Donc, il y avait des choses qu'on a parlé, par exemple, tout de suite. Oui, il faut faire une chorégraphie, il faut faire une danse, un duo, comme c'était l'abus, mais c'est aussi comment, c'est quelle approche, comment on va arriver à ça. Donc, une bonne partie d'être discipliné, de la répétition, mais répétition pas avec l'anxiété de vouloir faire tout et à la perfection tout de suite, sinon d'avoir patience avec soi-même et détendu. Donc, toutes ces choses qu'on a travaillé avec Azalia, elle est très réceptive à toutes les choses que j'ai communiquées à elle. Donc, on a travaillé beaucoup, beaucoup. Je voulais envoyer un slide, le premier slide, s'il vous plaît. Quand on parle de douleur, c'était la douleur ou le plaisir? C'est quelque chose que je voulais exactement. Là, tu vois, Azalia, elle avait fait ses exercices sur le tapis, mais après, on a dit, OK, est-ce que tu peux t'enlever, tu peux te mettre debout toi-même? Oui, elle m'a dit oui, elle voulait. Donc, on a fait comme un jeu. OK, il faut penser que c'est comme un arbre qui va commencer à pousser, non? Mais il y a avec la respiration, on va aller plus vers l'eau. Donc, elle aimait ça. Elle était en train de trouver un moyen de s'élever. Et comme elle a fait aussi yoga, vraiment, elle est très flexible. J'étais surprise de voir la flexibilité de ses jambes, la force musculaire. Mais je voyais qu'il y avait, comme vous allez observer, comme une douleur. Mais après, j'ai appris, on peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Voilà.
c'est plus détendu. Le visage est détendu. C'est ça qu'on voulait. Laisser l'air sortir. J'ai appris après, il m'a communiqué ça. Non, ce n'est pas la douleur. C'est la contraction musculaire. Donc, je dis, OK, comment on va travailler? On va travailler le corps, mais le visage fait partie du corps, comme la voix partie du corps. Comment on peut utiliser la voix, le visage et le corps, non? Comment arriver à ça? Donc, on a travaillé sur la respiration et sur la relaxation. Je ne sais pas si c'est les prochaines. Oui, il y a une vidéo. On peut le voir, s'il vous plaît. Je pense que c'est non. Je pense que l'intérieur, intérieur, où ça dit, oui, respiration, ça dit, et voilà, respiration, relaxation, je pense que c'est une vidéo, n'est-ce pas? Je pense que je ne peux pas la mettre. Ah, parce que... C'est le... C'est le PowerPoint de Cosro qui est trop vieux. Oh. Donc, je ne peux pas la mettre, malheureusement. Oh non, que Kakim l'avait préparé. C'était super parce qu'il y a une real time. Donc... Kakim, je peux te si tu l'as avec toi, tu peux partager l'écran. Oui. Qui peut le partir? OK. Dans mon instant, je vais juste l'ouvrir. OK. Excuse-moi, donne-moi un instant, je vais juste ouvrir, je vais chercher le... D'accord. Je vais juste chercher le document, juste un instant, OK? Il y avait une beau photo aussi de nous deux. Wow! Lawrence Lee. OK, all right, juste un instant. Oui. Je vais le chercher... Mais pendant que... Oh, je l'ai trouvé. OK, super. OK, donc, si on peut... Je vais partager écran. OK. OK. OK, voilà. Oui, il faut avoir patience pour le... Parce que c'est le real time. Voilà. La mâchoire est détendue. On a vraiment travaillé pour qu'il puisse ouvrir la bouche et le laisser exhale. The arm comes down with the exhaling. Excusez-moi, c'est... Voilà. Et encore, tu vois la mâchoire? And she's yawning. C'est fini ou non? Yeah, c'est fini. OK, OK. Donc, ça fait partie du travail qu'on a fait, vraiment beaucoup de respiration. Mais apprendre à respirer correctement, c'est quoi respirer? Et... elle ne savait pas vraiment, elle a connu après la pratique, elle connaît les muscles en question, le diaphragme, le muscle intercostaux, comment ça fonctionne, non? Et comment on peut contrôler ça, ce n'est pas facile. Et après, comme quelque chose qu'Elise a dit, à partir de ça, mouvement de guérison, mouvement de bien-être. Un mouvement qui va aider
être plus détendue et aider le muscle en même temps. On a travaillé beaucoup sur ça. On a travaillé aussi, on a parlé de la discipline, que ce n'est pas seulement de faire ces exercices avec moi, chez moi, mais d'avoir patience et un travail continu. Et c'est intégrer cet entraînement à ton quotidien pour une meilleure qualité de vie. Mais on était toujours en contact aussi, je voulais dire, soutien de l'équipe professionnelle qui aide à arriver à nos objectifs. Nous étions en communication constante. Et j'ai trouvé mon expérience que Azalia a beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité et très bonne mémoire. C'est un exercice pour la mémoire aussi, la chorégraphie. Et détermination, enthousiasme, bonne humeur et très travailleuse. Mais c'était comment gérer l'énergie aussi. Parce que la tête et les idées vont plus rapide que le corps. Donc, c'était comment avoir patience avec soi-même, avec son corps, et aller plus lente, peut-être pour arriver à ce qu'on voulait. Parce qu'on a travaillé avec, sur une chorégraphie, les deux, mais c'était à partir de ces mouvements. Elle venait un jour, me disait, écoute, qu'est-ce que je peux te montrer quelque chose? OK. Et je voulais incorporer ça. Autre jour, je voulais incorporer ça. Mais il faut choisir. Mais ce n'est pas seulement choisir le mieux mouvement, sinon un mouvement de bien-être qui aide son corps, mais aussi, je pense que je l'ai demandé, et comment, elle me disait, comment faire avec le minimum de mouvements? Plus de choses. Ce n'est pas nécessaire de montrer tout ce qu'on peut faire. Et comment communiquer un mouvement et pas faire des choses pour faire des choses compliquées, pour montrer c'est quoi que tu veux communiquer. Comme elle disait, elle sent des choses à l'intérieur d'elle. Donc, c'est ça qu'il faut communiquer. Et pour pouvoir faire ça, il faut relaxer. C'est le défi était ça. Pour moi, pour nous tous, par exemple, on a réussi avec Azalia de faire la chorégraphie. Et un moment, je filmais un petit peu pour l'envoyer aussi à Kakim. C'était super relax, tout était bien. Une partie que c'était le solo, après c'est avec moi. Mais tout de suite, quand Laurence est arrivée, Kakim est arrivé, le défi était que, OK, donc il y a des troisième personnes, il y a le public, il y a d'autres personnes, donc c'était plus difficile. C'était plus difficile, c'est normal, comme tous les artistes, avant d'être sur scène, on a une... Non, ce n'est pas facile, il y a une anxiété. Donc, il faut travailler l'anxiété. Et justement, on était en train de travailler l'anxiété. On faisait on appelait des gens, des amis, etc., pour être présente et faire la chorégraphie devant eux, pour que Azalia puisse s'habituer et se préparer pour la présentation. Et voilà, on a tombé en la pandémie. Donc, mais Azalia a continué à travailler même chez elle, je le sais, j'étais en contact de temps en temps. Une autre chose, je voulais dire avant de terminer, parce que je pense qu'il y a une vidéo, il y a des autres images que je voulais montrer. La voix faisait partie du corps. Donc, je voyais qu'on faisait des exercices vocaux avec le corps
Et ça aidait beaucoup quand elle libérait la voix, ça aidait beaucoup, beaucoup à son corps d'être plus détendu, plus relax. Donc, c'était le but de travailler plus sur ce côté. Mais comme on sait, on a tombé sur la pandémie et voilà. Et c'est ça qui s'est passé. Ah, voilà, on a vu le slide. Il y a des autres slides où vous avez tout mis. OK, on a terminé. D'accord, on a terminé. OK, merci. Et Azalia, bravo. Tu es très travailleuse et bravo toute l'équipe et moi, je suis ravie de faire partie du projet et merci à Kakim qui a eu cette idée, merci à Kosro, Elise pour être là, merci à tous. Don't ever look stressed out, even if you are. Okay? Okay, connect with me. I'm here with you. Do you hear? I'm here with you. I really am. Look at me. Look at me. Don't look at them. Look at me. I'm here. Get to here. Your legs. Chop, chop. Right. Put your hand to your right. Can't be in the middle. Yes. Thank you. Sit up, posture up, up, up. Nice smile to your audience. Look, you're being filmed. Give a nice big smile. Right, ready? Just straight up. Straight up. Hey, where is that smile? Yeah, that's what I look at with a beautiful smile. Change. And in the bad times I feel
So we have to have audiences all the time. Yeah, you give like the positive energy that you are more relaxed. I mean, this voilà. Time. Did you hear? Yeah. Otherwise, we feel like you're afraid from the people, but now at least you are more. Yeah. OK, merci beaucoup. Donc, maintenant, c'est terminé la partie des présentations. Je remercie à toutes les panélistes. Et maintenant, on va ouvrir le Zoom aux questions. Vous pouvez, les participants, vous pouvez nous poser des questions si vous voulez. Vous êtes bienvenus à ouvrir ou allumer vos vidéos si vous voulez, ou de nous envoyer des chats, on sera ravis de répondre à vos questions. Donc, all right. Donc, Monica, ça va? Oui, bonjour. Wow, quel projet incroyable. Je suis très émue. Félicitations à tout le monde. C'est une belle équipe. Vous avez fait une très belle équipe. Et merci à Azalia de nous partager toute sa beauté, sa tendresse et son élégance. Alors, je suis très touchée. Est-ce que vous allez avoir une deuxième édition? On ne sait pas encore, mais on est encore en train de terminer la première édition. Oui, oui, oui. Et c'est un projet, c'est étrange à dire, mais comme commissaire ou même artiste, ça n'arrive pas souvent qu'on travaille sur un projet où, pour la plupart du monde qui visite, par exemple, l'exposition, leur commentaire, c'est inspirant. Donc, mais malgré ça, c'est énormément de travail, c'est très demandant pour tout le monde. Zélie travaille beaucoup, toute l'équipe travaille beaucoup, l'équipe, pas seulement du projet, mais l'équipe du festival. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'appui pour le projet, mais nous avons encore une semaine. Ça va terminer le 30 mai. Est-ce que tu as eu l'opportunité de visiter l'expo? Pas encore, et malheureusement, je souhaitais y aller cette semaine, mais on a le pont qui est fermé. Je suis à Vaudreuil-Dorion et on est dans une problématique. On est emprisonné ici, alors c'est un peu difficile, mais si ça débloque, je vais sûrement y aller visiter. Et parce que nous, Azélie et moi, nous serons là la prochaine fin de semaine, samedi et dimanche, de 14h jusqu'à 17h. Mm-hmm. Pour accueillir le public, pour répondre aux questions, pour faire le tour. Je vais faire mon possible. Je veux vraiment y aller. Merci. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Irem est si émue? Allô? Oui. Oui, tu as les larmes aux yeux. C'est un beau projet et une belle équipe. C'est quelque chose qu'il faut encourager. De continuer avec Azalia, avec des autres personnes, de faire ce type de projet possible plus en plus. Et, oui, c'est ça. C'était laborieux, mais très laborieux, Kakim. Il a beaucoup travaillé. Tout le monde, mais je sais que Kakim, vraiment, chapeau. Et Azalia. Azalia aussi, c'est tout. C'est ça. Malheureusement, c'est bien qu'on pourrait faire cette présentation, mais ce serait dû faire avec, disons, avec la danse live, etc., comme on avait prévu. On espère que ça va arriver un jour. Yeah. Et
c'est très belle, très beau ce que tu as fait, Laurence. J'étais émue de voir le documentaire. Et je me rappelle de moments au studio, Kakim, c'est toi qui as pris le... Oui, exactement. Il y avait une autre personne, il y avait du public là. Donc, c'était ça le défi de pour moi et pour Azalia. C'est ça. Je dirais que la différence entre ce projet et les autres projets que j'ai travaillé, sur lesquels j'ai travaillé, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la qualité de l'expérience. Oui. Pas seulement la qualité du travail ou le produit, qu'est-ce qu'on va produire, mais qu'est-ce que c'est le vécu pour chacun de nous. Et pour cette raison aussi, quand j'ai parlé de Beatles, ce n'était pas pour gagner, bon, on n'a pas, peut-être on verra si on gagne des millions et des millions de dollars, mais c'était cette idée que chaque personne joue un rôle intégral et que c'est une richesse de l'histoire. On sort de cette expérience avec une histoire riche. À mon avis, pour chacun de nous de l'équipe de Crossroads, nous pourrons écrire un livre, des livres et des livres au sujet de ce qu'on a vécu. Et je dois remercier aussi l'équipe. On a parlé de c'est le fin de semaine, on a parlé de ça, le soir, parfois le matin. C'est comment est-ce qu'on peut résoudre certains défis, certaines problématiques avec Azalia. Constamment, on avait des conversations. On était vraiment, vraiment ensemble. Juste pour vous montrer un peu mon rôle que j'avais dans l'équipe, je fais le pont avec notre chat qui dit « Félicitations à toute l'équipe. Merci pour tout. Émouvant. Bravo, Laurence, et à toute l'équipe. On a eu des beaux commentaires. Azalia remercie tout le monde. So beautiful and elegant. Bravo, très beau. Un corps épanoui, une âme se libère. Bravo, Azalia. Bravo, Irène. Bravo, félicitations à vous tous. This project is extraordinary, so beautiful and powering and so moving to see magic. Alors, c'est un plaisir. Azalia nous dit que c'est un plaisir de travailler avec nous. Elle a appris énormément. Alors, je pense qu'on a tout appris ensemble. Oui. Chacun nos univers, on a pu les partager et en faire ce que vous avez eu comme présentation, comme vidéo, comme documentaire. Est-ce qu'on peut inviter Azalia? Azalia, ouvre ton caméra, s'il te plaît. On peut te voir. Azalia? Oui, je crois qu'il est en train de le faire. Ça prend quelques secondes. We need you. Oh, yes. Bravo. Bravo, Azalia, bravo. Ouais, bravo. Une chose aussi très importante, c'est que, mais en général, quand les gens pensent de l'inclusion, l'accommodement, c'est juste, par exemple, que c'est la personne qui reçoit le service ou qui reçoit l'appui, qui a besoin de l'aide. Mais c'est vraiment l'adaptation, c'est vraiment un échange. Et c'est ça qui était vraiment très, très riche. On a dû, moi, personnellement, je dirais que grâce à Azalia, grâce à l'équipe et ce projet, même moi, j'ai appris à mieux communiquer. Aussi, ce qui est important, c'était aussi d'établir des limites, comment ça s'appelle, healthy boundaries. Yeah. Des limites saines, c'était important pour Azalia, pour moi, pour toute l'équipe, parce que aussi, c'est un travail qui est épuisant, qui demande beaucoup de chacun. Oui, tout le monde a dû s'adapter. Autant Azalia que chaque membre de l'équipe a dû s'adapter. C'est ce qui ressortait beaucoup dans nos échanges.
Moi aussi, je me rappelle que cette procédure, nous avons tous appris beaucoup, énormément, mais c'était aussi un aspect très important, que c'était très, très organique dans le sens que ça est devenu une activité quotidienne de nos jours. Je me rappelle, par exemple, un jour qu'on avait un rendez-vous avec Azalia, normal, et le soir, il neigeait. Déjà, tous les gars s'inquiétaient comment normalement on va sortir, comment on va le recevoir, comment on va traverser la rue, comment... Tout ce petit aspect-là, ça s'est devenu un enjeu dans nos têtes, même la nuit. Et des fois, on était comme, OK, en pensant ça déjà beaucoup plus avant. Donc, c'est... Mais aussi, il y avait énormément de joie dans chaque moment, chaque fois qu'on voyait une réaction de la part de Azalia. Je crois bien que c'était cette joie qu'il partageait tout le temps avec nous, qui nous encourageait énormément. Et maintenant, il fait ça aussi. Donc, c'était vraiment une relation... très, très extraordinaire et ça reste comme une, vraiment une expérience extraordinaire de l'histoire du festival dans ce sens-là. Mais on est vraiment très, très contents et je vous remercie tout le monde vraiment incroyablement le travail que vous avez tous fait. Ça va rester dans nos mémoires pour des années à venir. On espère qu'on peut continuer de développer des projets pareils. Donc, comme j'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas une organisme qui seulement fait des présentations des artistes, mais on devient, on est chez eux, on devient le lieu de leur vivre. Et ça, c'est ce qui est très important pour nous, pour garder cette qualité de relation avec les artistes. Donc, c'est un très, très bel. Et c'est toujours là, l'exposition, pour les gens qui ne sont pas vus l'exposition, je vous invite à aller le voir. Et je crois bien que samedi prochain, Kakim et Azalia seront là en après-midi. Donc, vous pouvez avoir la chance de le rencontrer en personne et voir les offres et échanger avec eux. Je voulais dire, oui, j'invite le monde à aller voir l'exhibition. Je suis allée deux fois, je voyais des gens, c'est vraiment spectaculaire. Et ce que j'aime beaucoup, je vois les photos que Kakim a pris avec des gens et Azalia, elle est maître mouvement. Voilà, elle prend pas une photo comme ça. Non. Elle voulait faire ses mouvements. Elle cherche pour faire des mouvements. Quand je suis arrivée, elle voulait danser. Et voilà. Mais je vois, ce n'est pas seulement avec moi, mais j'ai vu du monde. Et elle est en mouvement. Elle a fait des différentes choses. Donc, ça fait du bien. Mais ses œuvres et toute l'exhibition, c'est excellent. Allez le voir. Et aussi, c'est l'important, c'est qu'au-delà de son objectif aussi, d'améliorer les conditions pour les personnes qui vivent des situations de handicap, Azalia, ce qui m'a frappé du premier instant quand j'ai vu ses œuvres, c'était la qualité de son œuvre, la qualité de son discours, la qualité de ses dessins, la peinture, le choix de couleurs, le fait que thématiquement, il y a une cohérence entre toutes les œuvres. Même si moi, comme commissaire, je n'ai pas vu du début quel était le lien. Elle savait conceptuellement comment, quel monde qu'elle était en train de créer. Donc, c'est ça qui est important, que moi, j'aimerais bien, avec ce projet, vraiment communiquer au public. C'est pas seulement les objectifs ou le fait que Azalia vit une situation de handicap, mais la valeur de son travail et la valeur de les choses que quelqu'un peut faire si on croit en cette personne. Oui. Ici, on regarde, par exemple, nous, la plupart de l'équipe, avec l'exception de Lise et Irène, moi, je n'ai eu aucune expérience avec des personnes handicapées avant. J'étais vraiment... comment dire, j'avais besoin au début du projet d'une manuel pour dummies. Ça n'existait pas. Donc, si c'est comme une épreuve, si quelqu'un comme moi qui est mal éduqué dans ce sens peut apprendre et toute l'équipe peut le faire sans un précédent, donc c'est possible que, par exemple, dans les autres organismes culturels, dans les bancs, dans les institutions, que les gens engagent les personnes handicapées, qu'ils leur donnent pas seulement une chance, mais qu'ils leur donnent une raison de vivre, hein, du travail, qu'ils vivent une vie comme
nous méritons tous. Donc, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Anne-Laurence, Isaac, oui, bonjour. Ah, Iris, oui, bonjour. Hello. Nazli. Just to tell you, vous êtes vraiment extraordinaire. Toute l'équipe, je vous félicite. Kakim, on s'est vu hier. Azalia, bonjour. Et je voulais juste vous dire que je vous trouve extraordinaire. Angels on this planet. And Kakim, beautiful. Congratulations. Well, thank you. Not just you, all of you. But I know that you initiated it. Yeah, he did. Nazli, oui, bonjour Nazli, oh, Anne-Laurence, est-ce que vous aimeriez partager, dire quelques mots, poser des questions? Sinon, vous devez chanter pour nous. OK, donc, alors, donc il est quatre, on a vraiment fait le tour. Oh, Anne-Laurence, oui, bonjour. Alors, je vais devoir y aller bientôt, mais je voulais juste dire que j'ai beaucoup apprécié toute la conférence, puis que je trouve ça très inspirant, puis bravo à tout le monde. J'aime beaucoup le travail d'équipe, en fait. Moi, je travaille beaucoup en collaboration d'habitude, donc je trouve ça vraiment intéressant de savoir comment tous les maillages se sont faits. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Félicitations, j'ai pas vraiment de questions. Merci. Donc, OK, je pense que c'est l'heure de manger, au moins pour moi. Donc, je voudrais remercier le Conseil des arts de Montréal pour leur appui, Montréal Art Interculturel, ainsi que Encadrex qui a fourni le service d'encadrage, mais surtout l'équipe du projet Habilité, Irem, Zélia, Elise, qui d'autre? Laurence, je voudrais remercier Cosro, à Isaac, à Mélanie, qui d'autre? Karine. 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 Jade un peu aussi. Jade, oui. Jade. Olga aussi. Il a toute une bande de. Oh, et aussi la Maison de la Culture, Janine Souto, toute l'équipe là-bas, Caroline. Yannick, mais c'était tellement immense le nombre de personnes qui ont travaillé sur ce projet, toute l'équipe du MAI qui nous a fourni des services, résidence, c'est étonnant. Mais on va continuer, on va assurer on va promouvoir l'inclusion des personnes handicapées, on va surtout célébrer les talents. Comme les talents d'Azélia. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. OK. Et bon fin d'après-midi. Et bonne fin de festival. Oui, bon fin de festival. Take care, you crazy cats. Bravo, Azélia. Thank you, Costro. Yeah, thank you, everybody. Merci infiniment tout le monde. Bravo. OK. Merci beaucoup. Merci, Kakim. Bye.